joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Ô Christ, Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Ô Christ, terre ferme, ses mains l'ont façonné. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection. Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection. La lumière, gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Psaume 50. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Tu prononces sans reproche lorsque tu juges. Vois, mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu es la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec les hommes, je serai. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang de mon sauveur, et ma langue clamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Psaume 56. Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi. En toi s'abrite mon âme.
chanter, je veux jouer pour toi. Éveille-toi, ma gloire. Jouer pour toi dans les pays, grand jusqu'au ciel ton amour, jusqu'au nuit ta vérité. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur la terre ta gloire. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Et en Israël, par tes portes. Il achète-toi, bénis tes enfants. Il assure ton sol dans la de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. La Bible pour sa parole. Il dispense la neige comme laine et répand le givre comme cendre. Il jette sa grâce par morceaux. À sa froidure qui peut tenir, il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle par sa parole. S'éloigne justement à Israël. Pas un peuple qu'il est ainsi traité. Ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les cieux, amen. Il n'y a plus de joie au ciel pour Cantique d'Isaïe, page 268. Cieux, écoutez le Seigneur, terre, prête l'oreille, car il parle. Je fais grandir des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Ils ont abandonné le Seigneur, ils se sont dérobés devant moi. Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez notre méchanceté de ma vue.
chercher le droit. Secourez l'opprimé, soyez juste pour l'orphelin, plaidez pour la veuve. Venez alors et discutons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient écarlates comme neige et blanchiront. Quand ils seraient rouges comme le pourpre, comme l'aile ils deviendront. Si vous décidez à obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous vous obstinez dans la révolte, c'est l'épée qui vous mangera, parole du Seigneur. De Saint Léon le Grand au Ve siècle, croyez en moi à cause de mes œuvres. Quand vous écouterez l'Évangile, bien-aimés, vous découvrez en notre Seigneur Jésus-Christ certains traits selon lesquels il a été en butte aux injures et certains autres selon lesquels il a été glorifié par des miracles, en sorte que, dans le même homme, tantôt apparaissent des caractères humains, tantôt brièvement, des aspects divins. Toi qui fuis le mensonge pour te mettre à l'école de la vérité, exploite avec ta foi les récits de l'Évangile. Applique aux actions visibles du Seigneur, comme si tu étais toi-même en la compagnie des apôtres, et ton intelligence spirituelle et le regard de tes yeux de chair. Attribue à l'homme le fait qu'enfant il soit né d'une femme. À Dieu, celui que ni sa conception ni sa naissance n'aient violé la virginité de sa mère. Reconnais en lui nos sentiments quand il verse des larmes sur un ami défunt. Éprouve la puissance divine quand, par le seul commandement de sa voix, il relève vivant le même ami qui sentait déjà après 4 jours de sépulture. Il aide un homme véritable de soulager la fatigue de son corps en se reposant par le sommeil. Mais il est d'un Dieu véritable d'apaiser d'un ordre impératif la violence des tempêtes. Donner à manger à des affamés est le fait de l'humaine bonté et d'un cœur soucieux d'autrui. Mais rassasier de 5 pains et de 2 poissons 5 000 hommes, qui oserait nier que ce soit l'œuvre de la divinité? En faisant coopérer avec elle les services d'une chair véritable, celle-ci montrait qu'elle était dans l'homme et que l'homme était en elle. Car la nature humaine ne pouvait être guérie des blessures laissées en elle par l'ancienne faute originelle que si, le Verbe de Dieu prenant pour lui une chair du sein de la Vierge, naissait en une seule et même personne et la chair et le Verbe. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Jérusalem,
qui as délivré ton peuple de l'Égypte par la force de ton bras et par ta main puissante. Détourne ta colère et ta fureur de Jérusalem, car la détresse qui pèse sur nous est trop lourde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Donc ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes » parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signes, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, pour préparer
ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière dans sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Tu es dans le Fils et le Fils est en toi. Nous t'adorons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.